Bonjour à tous et bienvenue au nouveau didactiel d'Additio. Aujourd'hui, nous allons vous montrer EdQuiz, un outil très utilisé par les enseignants qui nous permet de créer des examens et des activités en ligne. Vous dire aussi que EdQuiz est 100% intégré à Additio. Allons voir alors quelles sont les fonctionnalités de cet outil. Dans la plateforme du professeur, là où on est, vous trouverez EdQuiz à la section de notes et rubrique. Comme vous voyez, il y a écrit configuration des quiz. Nous y cliquons. Nous avons déjà une liste créée. Mais si nous cliquons ici, nous avons la possibilité d'en créer un de neuf. Comme vous voyez, nous devons mettre un titre, une petite description de l'activité si nous voulons, et la note maximale. Nous sauvegardons. D'accord ? Et une fois créé, le nouveau quiz apparaîtra ici. Si nous cliquons par exemple au quiz de révision du premier trimestre, nous voyons un peu la structure du quiz. C'est très facile d'ajouter des questions. D'accord ? Nous allons ici, nous écrivons une question, par exemple, quel est l'article défini qui correspond à l'Allemagne ? Et là, nous choisissons l'option de réponse que nous voulons proposer à nos élèves. D'accord ? Nous allons choisir, par exemple, multiple choix. D'accord ? Et là, nous mettons les différentes options que nous voulons proposer à nos élèves. Nous choisissons évidemment la correcte. Et vite fait, nous sauvegardons. Comme vous voyez, automatiquement, la question est créée. Par exemple, nous avons beaucoup d'options de réponse. En ce cas, nous avons une formule mathématique, une équation. EdQuiz nous donne l'option de aussi travailler avec des formules mathématiques. La deuxième question nous offre aussi la possibilité d'ajouter une vidéo et que les élèves répondent par multiples choix aussi. La troisième question nous explique aussi que nous avons la possibilité de répondre moyennant un texte, c'est-à-dire écrire, d'accord, multiple choix comme nous avons vu, entre deux options, ou multiple choix entre trois options par exemple, mais avec des images. D'accord? Qu'est-ce que EdQuiz nous permet de faire aussi? Le professeur peut désordonner les réponses. D'accord? Il peut le faire de manière aléatoire. Choisir quand est-ce qu'il va envoyer le quiz aux élèves, ou si seulement il va l'envoyer à un élève qui, par exemple, n'était pas en classe ce jour-là. Allons-y. Sur la plateforme du professeur, nous choisissons le groupe avec qui nous avons travaillé ce quiz, par exemple, histoire. D'accord ? Et nous allons créer une colonne pour ce quiz. C'est très facile. Nous cliquons ici, nous écrivons un nom, par exemple, quiz, et nous choisissons le type de note, en ce cas, le quiz, et le quiz que nous avons choisi pour cette classe, révision du premier trimestre. Nous sauvegardons, et automatiquement, il y a un panneau qui s'ouvre pour nous demander si nous voulions créer cette tâche maintenant. Nous allons dire oui. Automatiquement, nous allons mettre une autre fois le titre, par exemple, premier trimestre. Et là, nous avons l'option de, comme je vous ai déjà expliqué, choisir que EdQuiz montre les réponses de façon aléatoire. Nous pouvons aussi choisir les dates que le quiz va être réalisé, par exemple de tel jour à tel jour et de telle heure à telle heure, ou aussi choisir de l'envoyer maintenant aux élèves, en cas par exemple que nous soyons en classe et nous voulions faire l'examen maintenant, et nous pouvons l'envoyer par mail ou par EdVoice par exemple. Moi je vais décider de le faire par EdVoice. Et en deuxième lieu, à qui voulons-nous envoyer ce quiz ? Aux élèves, aux familles ou à tous les deux. Moi, je vais choisir aux élèves. Nous sauvegardons et automatiquement, comme vous voyez,
le quiz a été envoyé aux élèves. Maintenant, si les élèves vont à Edvoice, ils voient que s'ils cliquent sur Histoire, qu'ils ont une notification, le message du quiz est arrivé. Ils doivent juste cliquer au quiz et ils ont toutes les questions à répondre. D'accord ? Une fois ils ont répondu, le professeur, pour le corriger, c'est très facile. Il appuie sur le bouton droit et corriger le quiz. Quand il appuie directement sur le corriger le quiz, automatiquement, il y a un panneau qui s'ouvre et nous pouvons voir la correction du quiz. Comme vous voyez, il y a encore des élèves qui n'ont pas répondu, mais il y a deux élèves qui ont bien répondu. En cliquant sur l'élève, nous avons toutes les questions que l'élève a répondues et la note automatiquement EdQuiz a calculé. Mais si nous nous rappelons, il y a une question qui était par texte. Donc EdQuiz ne peut pas noter. C'était la troisième par exemple. D'accord ? Le professeur va corriger ça, va dire d'accord, c'est très bien. Et nous allons mettre la note de, par exemple, un 2. Il a très bien fait. D'accord ? Nous pouvons aussi faire des commentaires. Finalement, cet élève a eu un 6 sur 10, comme vous voyez. Nous pouvons faire un commentaire. Très bien. Bien. Et nous confirmons la correction. Cet élève, par exemple, le deuxième élève, la même chose. Elle a ici le 0 parce qu'automatiquement, la machine a mis un 0. Comme vous voyez, la note, elle change automatiquement. D'accord ? S'il a eu 8, nous allons faire un commentaire si nous voulons. Très bien. D'accord ? Et nous confirmons qu'on a bien corrigé. Automatiquement, quand nous confirmons, les notes sortent ici. Et au fur et à mesure que tous les élèves vont répondre au quiz, les notes vont se mettre à jour. Une autre chose très intéressante de la correction du quiz, en deuxième lieu, c'est la partie des statistiques. Ici, nous pouvons voir les réponses correctes et incorrectes des élèves. C'est vrai qu'ici, je ne veux pas vous bien montrer, parce qu'il n'y a pas trop d'élèves qui ont répondu au quiz qu'on vient de créer, mais nous voyons la moyenne de notes de la classe, le pourcentage des élèves qui ont répondu et le total numéro. Vous voyez ici les élèves qui ont répondu. Qu'est-ce que ça nous permet, ça? Ça nous permet de voir dans quel sujet il y a plus de difficultés pour les élèves. Par exemple, peut-être la question 3, 4, 5 et 6, ils ont bien compris, mais la question 2, ils n'ont pas bien compris. En ce cas, c'était philosophie. Donc, le professeur pourra travailler cet aspect avec eux. Au lieu de travailler ces aspects, qu'en majorité, il est ça. Pour finaliser, une autre chose que nous pouvons faire à partir d'Edvoice comme professeur, c'est d'envoyer la note. Nous envoyons la note et nous pouvons décider d'envoyer la note par mail ou par Edvoice, comme je viens de vous dire. Nous envoyons la note par Edvoice et nous pouvons choisir aussi aux familles, aux élèves ou aux étudiants et familles. Dans ce cas, on va mettre aux étudiants et familles et nous allons envoyer la note. Comme ça, les élèves et les familles seront au courant du processus d'apprentissage des élèves. Comme ça, si vous voyez, ici, l'élève peut voir que le professeur a envoyé la correction de l'activité. Et quand ils appuient là, ils voient leurs notes et de quelle façon ils ont bien répondu ou mal répondu au quiz. Nous espérons que cette vidéo vous ait plu et qu'elle puisse vous aider en cas de doute. À bientôt.